Bonjour, c'est Lara, et bienvenue pour un site de cette diffusion consacrée à Uncharted 4 A Thief's End. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma playlist Uncharted 4. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Bon, trouvez vos frères, hein. Ta trace. Bon, tu t'es pas encore écrasé comme une merde. Déjà ça, j'ai encore une chance de te buter. Hop. C'est quoi ça? T'as quand? Tu vois bien? Oh, c'est le petit-fils de Burns. 14 avril 1808. Même si j'ai réussi à retirer la balle de Ace que Ace a logée dans ma cuisse, ma plaie suppure et ma fièvre ne se calment pas. J'ai hâte de savoir ce que renferme la montagne. La douleur est trop insupportable. Je dois me reposer, reprendre des forces. À chaque moment de répit, le doute s'empare de moi et j'ai tort de punir les hommes, de m'avoir pas honoré leur contrat avec moi. J'ai consacré ma vie à retrouver ce lieu, à trouver le trésor d'Avery. Leur action a failli me priver de ma destinée. Non, mes actions étaient justifiées. Ce soir, je me repose, la fièvre va tomber, demain, je finirai le voyage de mon grand-père. Ensuite, à mon retour au Paris, j'écrirai ses exploits, un livre de Jonathan Burns qui figurera dans les bibliothèques aux côtés des histoires des plus grands aventuriers. Au pire des cas, je perdrai cette jambe, mais au bout du compte, j'aurai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et Claire, sois fière de moi, enfin. Claire, pardonne-moi. Ok. T'as vraiment échoué de peu, l'ami. Tu avais presque atteint la ligne d'arrivée, mais tu t'es fait battre. Bon, on entre.
Aïe. Merde. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai vu le truc juste à temps. Hop. Petit trésor au passage, hein. Ah. Truc de malade. Oh, je suppose qu'il fallait sur les trucs là. Oh putain. Comment je fais pour pas crever? Attends, peut-être qu'il faut grimper, voilà. Mieux. Allez. Sinon, tu peux toujours faire appel à Spider-Man, hein. Dans le mal. Ok, bah si tu le dis. Youhou! Oh merde! Ah, j'ai pas vu que c'était un trou!
C'est parti dans la glissade, moi. Hop là. T'as vraiment fait tout ça, Sam ? Non, il a pris l'ascenseur, c'est plus rapide. Hop, un petit tour dans l'eau, hein. Sorte de dire, je nage. Personne pour jouer à Marco Polo avec moi, je suis dégoûté. Bon, après c'est par où? Y'a rien là. Ok. Bon. Faut aller là. Non, rien là. Quoi? Ah! C'est nager, ok. Ben merci, jeu. J'étais perdu. T'as fini? C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avril. Qu'il y aille. On arrête. On arrête? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire, là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissé tomber. Je vous demande pardon. On est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ouh. Ça suffit. Putain, toi tu m'as mis des bandages pour moins que ça, quoi. Soit on va terminer ce qu'on a grandi. Ouh, tiens, voilà. On a qu'à en finir pour de bon. Tu préfères ça? Ah, ben mince alors. Révélation de ouf, Goda. Tu n'es plus la patronne.
Il a fait une meilleure offre, c'est ça. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça. Oh. Après vous. Pauvre Nardine. J'aurais presque de la peine. Ou pas! Pas laisser les armes machin là, j'ai qu'un petit pistolet de merde. Oh bah allons-y hein. Oula, piège. Bon, bah c'est pas grave, ça me fait une entrée. Sam, c'est toi? Non, ça valait le coup de venir, hein? Ah non. Monsieur, j'en veux toujours plus. Restez. Pas vrai, je jure. Il va prendre feu le bateau. Peut-être descendre là, je suppose. Ouais. Wow. Regarde-moi ça. Voilà ton trésor. J'y crois pas. Ça valait le coup. Ouais. Puis il est mort avec, donc Sam. Oh, il est juste là. Sam ? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non, pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part, mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine? Ravi de vous voir sur pied. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Ah, mais tu lui oublies encore que t'as plus d'hommes. Tu peux lui faire confiance. Hein? Te mêle pas de ça. Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate?
Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas mes partenaires. Pousse ça de là. Par contre, ton frère et toi, dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Générosité, vous ouais. Vous avez essayé de m'évincer, et il est grand temps que je vous donne une balle dans la tête, c'est ça que t'allais dire. Vous allez une balle dans la tête, finis ta phrase. Nadine. Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit. Putain ! J'ai dit regardez ! Ça va, ça va. Ce que je vois, c'est deux squelettes. Et alors ? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. Eh bien, éclairez-nous. C'est Avery et Tew. Ils se sont entretués. Tant mieux pour eux. Quelle importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent. Mais il est pas mystique comme les autres, c'est ça que je trouve. Ah, il y a pas de zombies, il y a pas de. Il y a pas de Sèvres qui donne l'éternité. Il y a pas d'eau qui donne des hallucinations. C'est juste un trésor en fait. Elle est partie. File-moi un coup de main qu'on sorte tous d'ici. Non. Non, ça peut pas finir comme ça. Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Aussi longtemps que ton vaurien frère et toi, vous serez pas 6 pieds sous terre. Okay. Ouais, t'es malade, hein, putain. Si tu veux, on pourra jouer aux pirates quand on sera deux. Nate, ferme-la. Sorry, Ray, c'est de la folie, même pour toi. Tu veux de la folie ? Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré et toute son armée aux marques de Shambhala. Ah, putain! Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Rubalcani. Merde. Allez, merde! On peut s'en sortir tous les deux! Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado. Oula. Allez, Ray! Bonjour, ça va, c'est... Nathan Drake est une légende. Arrête, allez, c'est bon, j'ai compris que tu m'aimais pas. Mais tu... Eh ben tu vois, Nate, malgré toute cette grandeur, tu n'as rien. Tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévenu de ne surtout pas croiser ma voix. Merde, c'était triangle. Merde, là c'est rond, là c'est triangle, ok. Merde, putain. Putain, merde, connard. Voilà, maintenant on est deux avec des sabres. Tiens, tellement à ta petite bande de losers que je vais faire en sorte qu'ils te rejoignent. Alors là... Regarde, tête de nœud. Ça, c'est l'esprit. Tu sais te battre à l'épée ? Ouais, tu piques avec le bout pointu, c'est ça ? Oui, je sens qu'on va s'amuser. Tu prends feu, connard. Bordel. Tiens.
Merde. C'est bon. J'en peux plus. Putain, connard. Ah putain! Légèrement déçu, mais t'es chiant, ce connard. Tiens. Ah merde. Ah. Faut que je vois bien ses mouvements de bras avant d'attaquer. Ah c'est bon. Non ou pas. Vénère. Tiens. Et zut. Merde, putain, il casse les couilles. Hein. Ça prend feu, là, connard. Hein. Putain, putain, connard de merde. Tu peux pas voir, c'est... il attaque trop vite, hein. Bah, c'est pas vrai hein. C'est jamais les mêmes attaques qu'il fait cet enculé. Faut que je regarde son bras comme il part. C'est cron, ron, ron, c'est... Là, ce triangle. That shit. Ta gueule, toi. Et tu meurs, hein, putain. Si tu veux rester brûlé ici, te gêne pas. Je vais te dire, mec. Sous tes airs de sale primeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée comme un pied. Adieu, Nathan. Nathan! Voilà. Tiens. Mais pas vrai. C'est pas vrai. Allez, viens, on va te sortir de là. J'y arrive pas. C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. Essaye encore. J'y arrive pas.
Attends. Écoute-moi, écoute-moi. Ce que je voulais par-dessus tout, c'est de trouver ce trésor avec toi. On l'a trouvé, pas ça. On l'a trouvé, petit frère. Tout va bien. Il doit bien y avoir un autre moyen. Tu dois me laisser. Il y a forcément quelque chose. Tu dois me laisser. C'est obligé. Il n'y a plus rien. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que t'en es sorti. Nathan, il faut que tu sortes avant que tout explose. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Tu dois réussir. Essaie de te protéger. D'accord, je peux le noyer, comme ça il mourra plus vite. Yay! Ah non, en fait, c'était juste pour le soulever. Ok. C'était vraiment un sale petit. Il était à bonne école. Bon, si je reçois pas de débris sur la tête, ça ira. Hein. Et on repart bredouille, c'est d'habitude. Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout, te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris? Juré. Je te remercie. Non, j'arrêterai jamais. À toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Qu'est-ce que tu lui racontes, là? Alors comme ça, tu voulais être magicien? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... T'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Oui, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes, Elena non, et moi. Mais non, t'inquiète, c'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça. Mais... je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti
satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final... Enfin, on revient à Benrouille. Putain. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. J'en ai quand même laissé quelques. C'est trop gentil. Ah, tiens. C'est notre taxi. Bien. Sam, on revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok? Pff, allez, barre-toi, brigand. T'as eu feu? Ouais. Alors, Victor, qu'est-ce que t'as prévu, Avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, Dangereuse? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance? Non. Il parle portugais? Quando o seu marido voltar para casa? Et ça veut dire quoi? Dans combien de temps il rentre ton mari? Ça ira. Allez. Il te resterait pas un de ces cigares? Pousse pas trop le bouchon. Comment ça va? Ouais. Ça va très bien. Très très bien. T'es pas en Malaisie, toi? Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché un gros contrat? Oh, bien mieux que ça. Sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Eh si. Waouh! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver... un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille. Et que je me laisse aller au gré du vent. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Ah, je t'ai eu! Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas là? Salut! Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais... Parfait. C'est vrai tout ça? Nate, ne perds pas de vue que ce serait un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. J'ai plein de dettes et puis on peut aller nulle part pendant le sport, voilà. Salut. Mais sinon c'est très rentable. Jameson Marine. On va acheter Jameson Marine. Oh, ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie et je me suis dit que c'était pile dans non, nos cordes. Non. Chérie, écoute, on a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. J'étais au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais. Tu veux dire qu'on va faire un travail honnête?
bureau des autorisations. Non, c'est bizarre. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui. Mal à l'aise. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tiens. Donne-moi la main. Quoi? Allez, donne-moi la main. Allez. Ah mais... Ça, où est-ce que tu l'as trouvée? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée? C'est Sam. Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat. Ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi? Mais non. Non. J'y tiens, moi, mon petit porc, là. Qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson? Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake? Je dis lançons-nous. Mm. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupée avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupée à plonger. Bon, d'accord. On fera chacun notre tour, alors. Ok. Ou alors... On pourrait le jouer à qui tout double? À mon jeu? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non. Si, et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Je te jure. Tu veux vraiment que je t'en mette la pâtée? T'as peur de perdre ou quoi? Contre toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point je te fais peur? Ben, je dirais 3. Ouais, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, je vais te faire ta fête. Tu crois ça? Ouais. Et voilà, c'est reparti. Ok. Ok, tu l'auras voulu. Oh, c'est reparti pour Crash. Ah putain, c'est vrai que c'est les croix. C'est pas la joystick. Allez. Ouf. Merde. Et zut. J'ai oublié le coffre. Qu'est-ce que je veux dire? Allez.
là. Ah non. Ouais, j'ai tombé. Crash Bandicoot, c'est pas mon truc. Fait trop rager. Oh, mais qui c'est ça? Crash Bandicoot. Développé par Naughty Dog. C'est qui ces cons qui ont fait ce jeu de merde? Super. Faut vraiment que je nettoie ça. Nettoyer? Non. C'est quoi? Un miroir qui marche dans un jeu vidéo, cool. Maman, papa, y a quelqu'un? J'ai soif. Pas une bière. Ça fera l'affaire. Non, je voulais, je dis j'ai soif, pas j'ai faim. Alors. Oh, trop cool. Sam et Sully vont venir nous voir. Nous sommes assis dans un minuscule café au beau milieu d'une rue animée de la Havane, à CET. Ce qui pourrait bien être le meilleur expresso de ma chaîne de vie, rien à faire. Personne à nos trousses, c'est bizarre la retraite, c'est bien, mais c'est bizarre. Sam me dit, dis-lui de remplir le frigo avec de la bière moins merdique qu'avant qu'on arrive. Je ne fais que répéter ses paroles. Sam me rappelle aussi que tu as perdu le pari contre nous deux. 12 mois sans fumer et je suis à Cuba, bordel de merde. Sinon tout va bien. Bref, embrasse ses filles, dis à Cassie de me faire chauffer le plateau de Badgammon. Je veux ma revanche. J'ai hâte de revoir tout le monde dans quelques semaines, ton ami Victor. Ok. Visite un peu la maison avant de sortir. Ah, j'ai lancé la pomme. Je crois qu'ils nous ont abandonnés. Oh, c'est vraiment beau. Désolé, Sully. Waouh, ça m'a l'air tellement jeune. Une bonne vie de famille, ouais.
pourrait trop faire une soirée ici. Il ne saurait jamais. Tring. Alors, voyons voir. Maman a des goûts trop bizarres en musique, mais j'aime bien celle-là. Waouh, trop cool. Faut que je demande à maman si je peux lui taxer. Bon, on va faire un petit tour dehors alors. Ah, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Pas la patte. Ah si, patte. Non. Ah, je te jure, ce chien. Allez, on fait un petit tour dehors. Hey ! C'est ça, va. Magnifique journée. Il ne reste plus qu'à retrouver le reste de l'équipage. On suit le chien. Y a quelqu'un? Non? Rien? Okay. Bon, la nourriture est là. Non, tu veux pas sauter? Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a, chien? Ça va, Vicky? Qu'est-ce que tu dis? Où sont papa et maman? Allez, va les chercher. Allez! Je comprends rien, ce chien. J'aurais dû prendre un chat. Peut-être c'est baraque là, c'est bizarre qu'il y ait une baraque là, je suis jamais allé. Pas chez nous, mais tant pis, hein, j'y vais. Hein. Non, ils ne sont pas là non plus. Ok, alors je crois que je vais les attendre. T'as fini par trouver? C'était vraiment mes fouilles préférées. Je me souviens de celle-là. Ah ouais, j'étais partie avec Sully cette fois-ci. Ah. Regarde-toi, t'es toute pétillante. Voilà qui réduit déjà pas mal la zone de recherche. C'est vraiment débile. Il a laissé ses clés. Il a laissé ses clés. Hmm.
Donc avec toutes les années, bah Sullivan il est toujours en vie. Putain. Crève jamais. Elle a trouvé la Batcave, c'est bon. La croix de Jésus, ça se passe. Un doublon espagnol. D'où il sort? Une charte de... Ah. Astrolabe. Uncharted 3. Ça donne la chair de poule. Mais c'est cool. Salut. Bonjour. Evelyn a acheté auprès d'un collectionneur la première édition de l'histoire générale des fameux pirates. En même temps qu'une liasse de documents du XVIIe siècle, parmi ceux que j'ai trouvé, une lettre très curieuse d'un certain Joseph Burns, qui non seulement reconnaît être un des membres de l'équipage du navire Avery, mais qui en plus donne des indices sur l'immense trésor d'Avery. À quoi d'autre les richesses du paradis peuvent-elles faire référence si il a envoyé sa lettre en prison? Il est évident que le trésor, qu'il n'y avait pas de trésor avec lui. Alors où est-il? Je dois suivre sa trace depuis le début, l'attaque d'Henri Harvey contre le Gunsway. Image des gens de Joseph Burns, les gens de la Garda, ok. Note sur la lettre, que représentent ces marques? Édition de l'histoire générale d'Evelyn contient des passages que je n'ai jamais vus dans les éditions ultérieures. Si je parviens à retracer son parcours, je pourrais peut-être avoir une idée de l'emplacement du trésor d'Henri Avery. Donc Henri Avery 1659-1699, alias Benjamin Bridgeman, Long Ben, roi des pirates. L'arc pirate, attaque du Gunsway, vaisseau mongol chargé d'immense trésor, puis disparu avec tous ses millions. C'est peut-être associé avec d'autres pirates dans la région de Madagascar pour attaquer les navires. Cherché du côté de Thomas Tew, tué en combat. Richard Want, William Mays et peut-être d'autres. Histoire générale à la réputation. Beaucoup broder et d'embellir la réalité, mais il y a plus de vérité dans ces pages qu'on imagine.